qui mélange un peu les légendes provençales et le tarot marseillais. Salut Reconnexion, je suis Elisa Glow et je suis artiste plasticienne. Je fais principalement du dessin. J'ai passé toute mon enfance à Cogolin, plutôt côté campagne et colline. J'ai fait mon école primaire à Cogolin, mon collège et après j'ai été au lycée de Gassin. Ensuite, je suis partie pour mes études, j'ai pas mal bougé et finalement j'ai été diplômée des Beaux-Arts de Nantes en art en 2019 et des Beaux-Arts de Marseille en 2021, l'année dernière, en design. Cette année, c'est un peu l'aventure pour moi parce que je suis partie faire un petit tour d'horizon des campagnes françaises pour un projet que je mène avec deux autres personnes. Je rencontre plein de gens, plein de paysans, des collectifs et je dessine beaucoup. Je fais pas mal de portraits de lieux et de personnes et c'est super inspirant pour ma pratique. Pour l'exposition cet été, j'ai pas mal de choses en tête, mais j'ai déjà réalisé trois dessins grand format qui me tenaient particulièrement à cœur et qui mélangent un peu les légendes provençales et le tarot marseillais. Donc j'ai hâte de les présenter cet été. Et également, j'aimerais réaliser quelque chose en céramique parce que j'aime beaucoup travailler avec la terre du Var, qui est très spécifique. Je me sens très chanceuse d'exposer à Rabatuel cet été. J'ai très très hâte de retrouver Marina et Lenny et qu'ensemble on puisse faire prendre forme à tout ce qu'on a en tête. Un besoin fort à sourire, un mot devant l'autre chaque jour.